Pour moi, c'est impressionnant. Il est obéissant à la base, mais il a ses comportements. Et là, il ne couine plus, il est calme. Ok, est-ce que tu as déjà vu des professionnels avant moi? Oui, j'ai vu deux professionnels, normalement 5 étoiles comme on dit, mais ça m'a rien rapporté en fait. Franchement, il y a du progrès depuis le matin, on n'arrête pas de travailler. Déjà les tests d'évaluation, il nous a pu nous prouver plein de choses. Test d'évaluation numéro 2, je vais donc appliquer comme je fais sur toutes mes vidéos YouTube que je vous invite à regarder pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je vais appliquer la communication salivaire. Voilà. Il y a des bons résultats. Déjà, mon chien ne couine pas. Il a arrêté de tirer en laisse. Tous les trucs qui bougent, il a tendance à vouloir choper le mollet quand il sent les gens qui ont peur. Il a tendance à vouloir le choper le mollet. Il m'a mordu les bras et il m'a mordu mon fils son bras sans raison. Ah, continuez. La coupe, hop, oh, pied. Hop, oh, pied, Black. Allez, quittez la patte. Il est sympa, mais il finit plus. Il est tranquille. Il bouge pas. Il est calme. C'est vraiment incroyable. Bon, ça c'est bien bon. Ok, test d'évaluation numéro 1 sur ce chiot qui est âgé de 4 mois. On va l'évaluer pour savoir un petit peu quel est son caractère, son comportement, pour envisager d'adapter une éducation sur la journée en stage intensif avec Nac, son propriétaire qui vient d'Île-de-France, et pour lequel il aura toutes les bases théoriques et pratiques pour permettre de comprendre ce que c'est la relation avec un chien, et surtout avec un chiot, et pour lequel il est important, je vous précise, que les chiots, quand vous arrivez au sein du cocon familial avec le chiot, on peut l'éduquer dès l'âge de 2 mois. Par contre, il faut l'éduquer intelligemment et pas faire n'importe quoi, parce que sinon derrière, vous pouvez avoir des graves problèmes. Donc tout ça, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette journée de stage intensif avec ce petit chiot. Impressionnant. Tu as vu les vidéos, tu sais pourquoi je dis ça? Bouge pas. Alors, t'as des chats qui ont adulte 2 ans, 3 ans, ils sont comme des tarés avec ça. Super. Très bien. Très bien. Bravo. Ah. Hop, 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 hop. Ouais. Test d'évaluation numéro 2, je vais donc appliquer comme je fais sur toutes mes vidéos YouTube que je vous invite à regarder pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je vais appliquer la communication salivaire, quel que soit le trouble du comportement de votre chien, de votre chiot, il aura cette technique qui est unique au monde. Ne refaites pas ça chez vous, c'est moi qui suis l'inventeur de cette technique, elle est unique au monde. Et ne pensez pas que c'est si simple, et sinon vous risquez d'avoir soit des troubles du comportement de vos chiens graves, et pour les chiens extrêmement agressifs, pour lesquels vous pouvez aller voir cette technique sans floutage et sans coupure de montage lors de mes précédentes vidéos. Vous allez pouvoir voir avec le chiot que la salive est très importante pour l'éducation, la hiérarchie familiale.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Eh, hey, comment ça va Blaco? Bonjour monsieur, bonjour madame. Voilà. Bien mon chien. Ça c'est assis, pas bouger, pas toucher Blaco. Alors, tu as cité au test d'évaluation numéro 1, test d'évaluation numéro 2. On va passer au test d'évaluation numéro 3 avec les chiens pour savoir comment on fait. Quelles sont tes impressions? Franchement, il est sympa, mais il pointue, il est tranquille, il bouge pas, il est calme. C'est vraiment incroyable. Complètement changé direct. C'est pareil comment on était venu, quand on est venu cuiner, tourner autour là. Et là, d'un coup, c'est calme. Il est carré. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Cramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.